Je ne parle pas de la construction. Je parle de l'opposition à la construction. La différence. Vous voyez? M'entendez? Ça va? M'entendez assez? Bon, maintenant, je donne l'exemple. Je ne suis pas riche. Vous voyez? Je suis un professeur à l'université de Orsay et de Grenoble. Bon, je mets ici tout de suite. Vous voyez? Tout de suite là. Vous voyez, je mets ça, c'est pour vous montrer que je fais ce que je dis ce que je fais. Donc je me présente un petit peu très rapidement, je suis originaire du Vietnam, mon pays d'origine. Je suis venu en France petit et la France m'a formé. La France est mon deuxième pays. Et je suis professeur à Grenoble, à Montpellier et à Orsay de physique. Donc je connais ce qui se passe pour l'écologie. Voilà. J'apporte un témoignage seulement. Et pour que vous croyiez à ma parole, je vous donne cette petite information. J'habite à Vannes, à côté de l'hôtel Mercure. Donc il y a la nuisance, l'éduisance. Donc il y a la rue du Moulin, pour ceux qui habitent, c'est une rue assassine, c'est une bordel de l'autoroute, donc ça prouve que c'est très mauvais. Voilà, vous croyez ce que j'ai dit, et le maire m'a invité officiellement à venir faire ce que je peux, ce que je veux, refaire cette rue, réhabiliter cette rue. Voilà, donc vous croyez. J'apporte cet événement, j'habite au Vietnam, j'enseigne au Vietnam aussi, grâce à la France qui m'envoie là-bas. Et je sais ce qui se passe en Chine. Vous voyez? C'est que maintenant c'est la course vers les tours, à Dubaï, en Chine, vous le voyez, et puis les gens ont dit l'île de Pâques, et au Vietnam malheureusement. Je suis contre ça. Vous voyez, les tours, c'est le capitalisme. Donc en Chine, c'est inhumain. Les gens sont très pauvres. Je parle ce que j'ai dit dans le journal, dans les journaux. Vous voyez, les gens sont pauvres. Ils exploitent la population et ils courent vers le capitalisme. Et vous savez bien ce qui se passe en Chine actuellement. La situation. Les Chinois maintenant. Donc, pour le Vietnam, je m'oppose à la construction des tours très hautes. Ils construisent une tour très haute maintenant. Vous voyez? Donc, je vous propose ceci. Je m'abonde dans le sens que vous avez tous dit. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour ajouter cela aussi, c'est qu'on a un mouvement contre la construction des tours dans le monde. À savoir en Chine, vous voyez, à Dubaï, à New York, et puis bien sûr au Vietnam, mon pays, vous voyez, même mon Vietnam, mais le pays très développé. Voilà, c'est ça le témoignage, et j'espère que nous arrivons au résultat. Merci bien de faire attention. Au revoir.